Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie, rendez-vous de l'économie, les actualités économiques brûlantes de cette semaine. Nous discuterons, nous parlerons avec nos invités au téléphone de la déclaration d'Alger. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur l'avenir du gaz a pris fin samedi dernier, sanctionné par une déclaration d'Alger. Finalité de cette réunion au sommet avait pour but de réaffirmer l'engagement des États exportateurs de gaz afin de maintenir une coopération étroite, renforcer leur rang pour rassembler davantage de pays afin de peser de tout leur poids sur le devenir de la transition énergétique à l'échelle mondiale. Celle-ci basée sur la généralisation de l'utilisation du gaz naturel. Nous nous attardons sur certains aspects de cette déclaration pour en connaître les enjeux et la force du forum à influer sur les choix mondiaux en matière de consommation énergétique dans le cadre de la transition verte. Le plus de la déclaration d'Alger, c'est d'insuffler une dynamique d'action après les engagements, des actions concrètes sur le terrain. Comment et auprès de qui ? Nous en discuterons avec nos invités. 60 minutes économie. Tous les jeudis de 13h à 14h. Nous remercions M. Ouar Ahmed, consultant international en stratégie de développement, diplômé de l'Institut algérien du pétrole et de Colorado School of Mines, également au téléphone avec nous et qui nous a accompagné pendant tout le sommet, M. Brahim Gendouzi, économiste. Merci messieurs d'être présents durant cette émission. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Hamid et pas Ahmed. Pardonnez-moi, Monsieur Hamid. Hamid. Alors, cela tombe bien, donc vous me donnez l'occasion de vous interpeller en premier. Oui. Évidemment, le sommet à la présentation du président de la République, du secrétaire général du GEF, le groupe qui chapeaute les pays exportateurs de pétrole, avait bien rappelé que beaucoup d'engagements étaient déjà actés par la dernière session du forum, celle qui s'est déroulée au Qatar, où les pays ont réaffirmé lors de du sommet d'Alger leur engagement sur certains aspects, à savoir le droit souverain des pays, leur droit souverain sur leurs ressources naturelles, leurs ressources gazières, leur choix vers des contrats à long terme avec leurs partenaires, mais également un prix juste, équitable du gaz. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a, à votre avis, de nouveau dans la déclaration d'Alger? Le sommet, le septième sommet, a réaffirmé les anciens engagements. Qu'est-ce que ce sommet d'Alger a apporté de plus, Monsieur Hamid? Je pense que ce sommet est une réussite dans la mesure où il a réuni tous les membres du GCF, à savoir 12 membres de cet observateur, qui s'est élargi à des pays comme le Sénégal et la Mauritanie. Le Mozambique aussi. Et le Mozambique. Le Mozambique était déjà observateur. Mmh. Et donc, la possibilité, probablement, de s'élargir à de nouveaux acteurs qui sont en train d'apparaître sur le marché, comme l'Arabie Saoudite, qui vient de faire une très importante découverte de gaz non conventionnel, gaz de schiste, il y a une semaine, annoncé une semaine par Aramco, avec 420 milliards de mètres cubes de potentiel de gaz et 2 milliards de condensat. Donc on peut s'attendre à ce que l'Arabie Saoudite, qui est principalement un producteur de pétrole et pas de gaz, puisse joindre le GCF. La deuxième chose qui est importante, c'est que justement cette continuité de la position du groupe est importante dans la mesure où il y a eu des changements géopolitiques dans le monde avec des pressions sur certains membres de ce groupe,
comme la Russie en particulier, qui a vécu des sanctions et qui donc pourrait obtenir, qui pourrait concerner d'autres pays, avec des tentatives, par exemple, de l'Union européenne de faire, de plafonner les prix. Et donc, il était très important de réitérer une position de groupe, malgré qu'à l'intérieur de ces différentes sociétés, il n'y a pas une unité de position, mais au moins, il y a eu un consensus sur des niveaux de base. Un certain nombre d'actions ont été certainement tenues, en particulier par le Qatar, qui a été très sollicité pour se substituer au gaz russe pour la fourniture de gaz russe à l'Europe à travers du GNL, qui a obligé tous ses potentiels clients, à commencer par l'Allemagne, d'avoir des contrats à long terme sur 20 ans pour réitérer un des points fondamentaux d'industrie du gaz, à savoir de trouver toujours un équilibre entre les pays producteurs et les pays consommateurs pour assurer aussi bien une stabilité du marché, aussi bien en termes d'offres et de demandes et de stabilité des prix. Merci. Je donne la parole à M. Brahim Guendouzi sur une question d'ordre général pour aller un peu plus sur des questions plus précises par rapport à quelques principales recommandations. M. Brahim Guendouzi, vous avez assisté, suivi et avez intervenu longuement à travers les plateaux sur le déroulement, l'importance de toutes les manières. C'est une plénière qui était ouverte au public et on a suivi pas à pas les discussions, les discours des chefs d'État qui réaffirment leur engagement, qui évidemment exposent leur potentiel naturel et leur volonté d'investir davantage dans les technologies vertes, mais également dans la promotion du gaz. Globalement, qu'est-ce que vous retenez de percutant dans ce sommet ? Alors tout d'abord, sur la forme de ce sommet, ce septième sommet, c'est un véritable succès dans la mesure où excellente organisation, la qualité des participants, donc pays membres, en nombre et en qualité des pays qui représentent le gaz de façon générale, et plus un participant invité qui ne fait pas partie de la Tunisie, c'est l'Italie qui représente l'Union européenne. Ah oui, et la Tunisie aussi d'ailleurs. Oui, et la Tunisie est un pays invité aussi. Donc, ces deux invités, Italie-Tunisie, la qualité des participants représentés à un sommet élevé, plus l'excellente organisation, font déjà du forum, ce septième sommet, un succès. Deuxième aspect, c'est le fond, c'est la qualité des thématiques abordées lors de ce sommet. Et c'est des thématiques essentielles pour l'avenir du gaz. Tout d'abord, l'aspect cohésion du groupe s'est renforcé. Les 12 pays plus les pays observateurs, élargissement du groupe, c'est important. Deuxième aspect, c'est la volonté de collaborer, de coopérer, d'effectuer des consultations. C'est essentiel pour une vision de long terme sur disons, la stratégie et l'évolution de l'action du groupe, GECF. Et enfin, des dimensions liées au rôle du gaz sur le moyen long terme, la transition énergétique, la sécurité énergétique, les investissements, la souveraineté. Tous ces aspects sont essentiels dans un débat et qui sont déterminants pour avoir une vision de long terme. Alors, une question précise. Donc, on avait dit, j'avais dit au début, donc en introduction, que nous avons choisi de la déclaration d'Alger, au-delà des aspects déjà connus, engagements déjà pris lors de tous les sommets passés, souveraineté sur les ressources naturelles, la volonté de promouvoir le gaz et donc de continuer à investir à condition que ces investissements soient soutenu ou également où il y a de la coopération avec les pays consommateurs pour soutenir notamment financièrement et garantir les marchés à venir sur le prix qui selon les recommandations et la volonté du forum le sommet du forum des chefs d'État de l'indexer le prix juste équitable pour eux d'après la déclaration c'est de l'indexer sur le pétrole et les produits pétroliers prenant par exemple et restant sur un point précis sur la question les droits souverains
souverain, absolu et permanent des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel. Question, je vais essayer d'être courte et essayer d'être précise. Est-ce que les ressources en gaz naturel de ces États sont menacées Il y a un risque de perte de la souveraineté. Question à nos invités, Monsieur Hamid Ouar, pour commencer, ensuite Monsieur Brahim Guendouzi. Moi, je pense que en termes de la souveraineté, ne peut se discuter. Ne peut se discuter en aucune manière. Elle peut être réduite sous forme justement de conditionnement technologique, d'aspect technologique pour faire des découvertes. Je parle en particulier d'un aspect qui va avoir bien plus de poids dans le futur qu'il n'a aujourd'hui, parce que les ressources en gaz de schiste dans le monde sont énormes. Le fait qu'aujourd'hui des sociétés comme ExxonMobil et comme Chevron ont fait des investissements dans le secteur en achetant des sociétés pionnières, ExxonMobil en octobre 2023 ont fait des investissements de 60 milliards de dollars chacun. Donc c'est un moyen important parce que eux aussi vont avoir un intérêt à avoir un retour sur l'investissement et donc à avoir une stabilité des prix sur le marché pour pouvoir planifier. Un point important qu'il faut souligner, c'est que je sortirai de cette tendance à penser pays, mais à penser ce qu'on dit en anglais, des stakeholders. Quels sont les centres d'intérêt? Parce qu'aujourd'hui, vous avez cité l'Italie, par exemple, effectivement, une société comme Eni, qui est un producteur de gaz, qui est actif en Algérie, qui est actif en Égypte, qui est actif au Mozambique, qui est actif en Côte d'Ivoire, a les mêmes intérêts que les pays producteurs de gaz, qui n'est pas le même. Parce qu'ils partagent les risques. Ils partagent les risques. Ils sont producteurs de gaz. C'est comme aux États-Unis, des États comme le Colorado ou l'Oklahoma ou le Texas, qui sont des pays de producteurs et de gaz, n'ont pas les mêmes intérêts que des pays que les États comme New York, comme Washington, qui sont des consommateurs. Donc il faut aussi essayer d'élargir non seulement au pays, et d'élargir l'intérêt à défendre l'industrie du gaz. Avec aussi les partenaires, même occidentaux, qui ont les mêmes intérêts que les producteurs. Okay? Ça c'est un aspect. Donc je reviens sur la partie souveraineté, comment on peut le toucher, c'est l'accès aux technologies. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, la performance, l'efficacité, etc., va dépendre de la technologie. C'est une guerre des technologies qui est en train de se passer et je pense qu'il y a aujourd'hui un des grands résultats pour moi du sommet, c'est l'institution, c'est le quartier général de l'Institut de recherche gazière à Alger qui devrait devenir un think tank très important à la mesure de l'Agence internationale d'énergie qui défend les intérêts de l'OCDE pour justement contrebalancer en termes de sources d'information, en termes de développement de technologies, donc d'aller négocier avec les détenteurs des technologies pour qu'ils investissent dans nos pays et pas seulement dans leur pays. Et j'ai pris l'exemple la dernière fois que je suis intervenu sur, par exemple, des sociétés comme Air Liquide, Air Product, Siemens, qui sont actives en Algérie et qui n'investissent pas en Algérie sur des capacités de production de leurs technologies. Tout ça sont des aspects qui touchent la souveraineté, parce que si on ne maintient pas la technologie, on perd notre souveraineté, même si politiquement on a cette souveraineté. Très bien. La question, je la pose à M. Brahim Guendouzi autrement. Alors, pour continuer la réflexion de M. Hamid Ouar, la souveraineté se pose de quelle manière sur les ressources gazières des pays exportateurs? Est-ce que la souveraineté est traduite noir sur blanc sur des contrats internationaux où les pays disent les ressources souterraines appartiennent à l'État, au pays qui accueille les compagnies pétrolières partenaires. Donc, est-ce qu'on parle de cette souveraineté? Donc, c'est à travers les contrats qu'on va affirmer, réaffirmer et décider à qui appartient les richesses du sous-sol. Je pense qu'il y a trois aspects à ce niveau lorsqu'on parle de souveraineté. Il y a l'aspect
disposer des ressources du sous-sol. Et je pense que les pays sont souverains de leurs ressources, de leur sous-sol, et sont souverains dans la façon dont ils vont nouer des contrats de vente ou des contrats d'exploration, etc. Je pense, si on prend le cas de l'Algérie, il y a une agence sur le, qui délivre les contrats, qui délivre les autorisations de prospecter, de, etc. Donc chaque pays a la liberté de disposer de ses propres ressources naturelles, et particulièrement dans ce cas le gaz. La deuxième dimension, c'est la rémunération du gaz. Donc à l'international, les pays internationaux posent problème actuellement. Et si effectivement il n'y a pas une rémunération, disons, intéressante, pourquoi voulez-vous qu'un pays investisse si en retour les pays sont en deçà des espoirs? Donc la question là, d'une rémunération du gaz est posée. La troisième question, c'est liée à la technologie, et donc les partenariats stratégiques qui se font vont renforcer évidemment la souveraineté, parce que derrière la technologie, c'est des savoir-faire, mais c'est aussi des apports qui sont donnés à des pays producteurs de contribuer au développement de la production, à la stabilisation du marché et à la sécurité énergétique. Donc ces dimensions sont tellement importantes que le partenariat stratégique est fondamental. Et derrière un partenariat stratégique, il y a des entreprises nationales du type Sonatrach ou Aramco en Arabie Saoudite qui sont, le fer de lance de toute l'industrie gazière et même pétrolière. Et par conséquent, à travers les entreprises nationales consolidées, c'est aussi la souveraineté d'un pays dans ses ressources naturelles, particulièrement le gaz naturel. Bon, oui, allez-y, Monsieur Hamidouar. Je n'ai pas l'impression qu'on a, on va dire, le cœur du sujet. Oui, le cœur du sujet est là où il y a... Oui, allez-y. Oui, il est important de dire deux ou trois choses. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Nous ne maîtrisons pas les technologies, même si nous les utilisons. Donc, je pense qu'un des points très, très, très importants, et moi, je viens du R&D, j'ai travaillé à 40 ans à la division recherche et développement de Sonatrach, okay, mais il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le grand danger pour notre souveraineté, c'est l'absence de technologie, de développement de technologie par nous-mêmes. Donc, partout, on est tous ces pays. Donc, vous parlez de Aramco, on parle de Qatar, c'est des milliards et des milliards, mais ils sont distributeurs de technologies ou américaines ou japonaises ou coréennes. Dans les entreprises de résidence, c'est la même chose. Je vais prendre un NAFTA que M. Guendouzi a cité. Ben, ça fait 10 ans, 12 ans qu'on cherche à attirer des sociétés pour venir investir en Algérie, qui ne viennent pas. Aujourd'hui, si vous allez voir les bilans de Sonatrach, vous allez voir que pratiquement 80% de nos découvertes, 80% de notre production est gérée sous nos propres moyens. C'est la question. Vous dites la chose que j'essayais de comprendre, c'est que chaque État, notamment ceux qui sont au forum du gaz, n'ont pas la même nature de contrat avec leurs partenaires. L'Algérie a la pleine souveraineté sur ses ressources. Et c'est ce qui est constitutionnalisé. Est-ce que le cas des autres pays membres du forum, dans leurs contrats avec leurs partenaires technologiques, les compagnies mondiales qui travaillent sur leur sol, partagent les risques, partagent la production, est-ce que la propriété du gaz est partagée? D'une certaine manière, nous, jusqu'à la loi de 1986, qui a porté au développement, un développement important de l'industrie pétrolière et gazière en Algérie, c'était sur un partage de production. Le partage de production n'est pas un renoncement à une souveraineté.
Parce qu'en réalité, on est en train justement de rémunérer l'investissement. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours d'équilibre et de contrôle des charges. Donc, effectivement, si une société qui va venir faire de l'exploration et qui, typiquement, il va falloir 10 ans pour avoir la commercialité, il est aussi, lui, c'est normal qu'il demande à avoir une rémunération de son investissement. Donc, le partage de production n'est pas, qui est un peu ce qui domine dans tous les pays du monde dans le domaine du gaz, n'est pas un manque à la souveraineté, mais comme vous dites très justement, c'est sur un partage de risques. Donc aujourd'hui, les contrats, le Qatar, comment ils ont impliqué les grands majors à financer le développement des deux grands fils. À quelles conditions? Nord-East, les conditions, c'est justement de, ils leur ont vendu des parts dans le projet de développement à 10-15% chacun, avec des contrats de take-or-pay sur 20 ans. Donc effectivement là, il y a les deux parties qui répondent aux critères qu'on avait définis au départ, à savoir que moi le producteur, je vais développer un champ si j'ai une offre et si j'ai un prix raisonnable sur le long terme. Donc ils n'ont pas perdu la souveraineté. Ils sont tellement sûrs de ce qu'ils font, c'est que lorsque l'Europe a dit que le Qatar allait substituer en Russie. Ils leur ont dit, vous devez oublier ça, nous, on ne substituera jamais la Russie. Parce que, un, nous avons des volumes qui sont déjà destinés à l'Asie, c'est ce qui est notre marché naturel. Oui. On ne peut pas être concurrent avec le prix du gaz qui va par gazoduc, parce que GNL est 4 à 5 fois, pour ne pas dire 6 fois plus cher que celui par transport par gazoduc. Nous n'allons pas faire une concurrence qui va nous nuire sur le long terme. Très bien, on passe à la seconde question. Alors, il y a donc, je disais que je vais reprendre textuellement les recommandations, les engagements, pour essayer de les comprendre. Un des engagements, c'est que les chefs d'État expriment le rejet de toute utilisation du changement climatique comme justificatif pour mettre en œuvre des mesures entravant les investissements dans les projets de gaz naturel et créant des moyens de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée en violation directe des règles du commerce international. Donc, il y a déjà, est-ce qu'on est dans une configuration de l'utilisation du changement climatique pour entraver la promotion du gaz? Comment on la voit, à travers quelle direction que donnent les pays consommateurs et les organisations, et de quelle manière, au-delà de ce rejet prononcé, un rejet, on va dire, verbal, intention, que peut faire le forum et quel est son poids, quel est le poids de ce rejet? Monsieur Brahim Gendouzi et ensuite Monsieur Hamid Ouar, s'il vous plaît. Alors cet aspect, je pense, est essentiel parce que dans les pays développés qui sont globalement des pays consommateurs d'énergie, je pense que le débat à leur niveau n'est pas aussi tranché, n'est pas aussi net, parce que derrière ce qu'ils appellent les énergies fossiles, le gaz est compris, mais quand on analyse la transition énergétique, on se rend compte que avec le développement de l'efficience énergétique et le développement et l'encouragement des énergies renouvelables font qu'il peut y avoir un fossé sur lequel beaucoup de pays ne peuvent pas apporter des solutions par eux-mêmes dès lors que l'énergie est fondamentale en premier lieu. Et deuxièmement, la transition énergétique peut prendre de nombreuses années et que les énergies renouvelables ne peuvent pas apporter des solutions immédiates et automatiques. Donc on a besoin d'une énergie propre, même si elle est fossile, et dans ce cas c'est le gaz naturel, et les projections sur le long terme font sortir qu'il va y avoir dans le monde entier, puis surtout dans les pays avancés, une demande d'électricité en très forte croissance, et qui dit électricité, dit sa production, et je pense que le gaz naturel est celui qui est le mieux placé pour répondre à la production d'électricité. Deuxièmement, le gaz naturel, de par ses atouts en termes d'énergie propre, comparativement évidemment au pétrole et au gaz, a plus d'atouts pour accompagner et les énergies renouvelables et aussi aller vers
le nouveau paradigme des énergies vertes, puisqu'on parle maintenant de gaz vert comme l'hydrogène, comme le biométhane, etc. Donc le gaz naturel est au milieu et je pense qu'on en aura besoin pour de longues périodes. Et justement, c'est cet aspect-là que le GECF a essayé d'expliquer pour les pays consommateurs, dont une partie de l'opinion sont d'accord avec cette approche. Oui, merci. Monsieur Ouahar, sur la même question. Où réside la violation directe des règles du commerce international? C'est pointé du doigt par le forum. C'est-à-dire, cette violation, elle vient justement... de l'utilisation du changement climatique pour entraver les investissements. Expliquez-nous un peu quels sont les actes et les actions qui surviennent sur les marchés et qui prouvent qu'il y a une violation du commerce international. Oui, en réalité, il y a une incohérence de fond. Une incohérence de fond sur ce sujet, parce que si on prend l'industrie du gaz jusqu'en 2000, à la COP 2017, pratiquement l'Union européenne et les GCC se sont battus pour que les pays africains comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui ont fait de grosses découvertes, ne les exploitent pas. Mmh. Ensuite, dès qu'il y a eu la guerre de l'Ukraine, on les a appelés pour dire qu'il faut les exploiter parce qu'on en a besoin. Oui. Ok, déjà il y a encore. Ensuite, dans le projet, ce qu'on appelle Repower et le 55 de l'Union européenne, on a classé le gaz naturel et le nucléaire comme énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, en termes de transition énergétique, mm-hmm. on ne peut pas utiliser comme blocage du gaz naturel, comme n'est pas tant ennemi du climat, parce que l'Union européenne elle-même reconnue que le gaz est une énergie fossile propre et même oui, considérée comme renouvelable. Absolument, okay. oui. Deuxième truc, je crois qu'il faut faire une très grande différence entre les utilisations du gaz et je pense que le gaz est beaucoup plus important en termes d'utilisation dans la transformation et la valorisation, donc l'industrie chimique, pétrochimique, etc. Aujourd'hui, des pays comme l'Allemagne ont perdu toute leur compétitivité de par le fait qu'ils n'ont plus accès à un gaz russe à un prix très bas. BASF a désinvesti de l'Allemagne pour aller en Chine. Deuxième élément qui va être pris en considération, c'est la réalité des chiffres, la réalité de l'économie, c'est que personne ne va développer des industries alternatives comme l'utilisation de l'hydrogène s'il n'y a pas un marché, s'il n'y a pas des conditions économiques pour le faire. Aujourd'hui, on parle de l'hydrogène vert. Entre-temps, le marché, il y a 2% du marché mondial. Les prix d'électrolyseurs, dont on disait que les prix vont baisser, ont augmenté de 50%. Et donc, même pour l'utilisation de l'hydrogène pour le gaz, oui. il est pratiquement impossible aujourd'hui. Il est pratiquement impossible. Donc, c'est l'autre barrière. Oui, oui, c'est une sorte de barrière. Économiquement. Pour une raison très simple, qui est thermodynamique et qui est très claire. Aujourd'hui, l'hydrogène est utilisé là où il est produit. Aujourd'hui, on casse une molécule de méthane pour libérer l'hydrogène pour produire de l'ammoniac. On casse une molécule de propane pour produire du polypropylène. Mais sur place, mm-hmm. alors produire de l'hydrogène pour ensuite le transporter par pipe ou le liquéfier en l'équivalent du liquéfier qui est à moins de 220 degrés avec des coûts d'énergie qui sont énormes. Alors qu'on est en train de parler d'efficacité énergétique. Mm-hmm. Okay. Donc c'est vraiment très difficile à ce qu'une entreprise ou ce qu'un gouvernement investisse dans cela. Alors une des barrières que l'Europe a créées pour soi-disant dans le climat pour se faire financer ou pour taxer les pays producteurs d'énergie fossile ou les économies qui manufacturent à partir d'énergie fossile, c'est la taxe carbone.
Alors, la taxe carbone... Merci. Je vous interromps parce que c'est une question à part. Et vous me permettez de relancer sur cette même question. Est-ce que dans un des engagements du forum qui dit textuellement notre désapprobation de la mise en œuvre unilatérale d'actions et de mesures fiscales sans précédent qui sont supposément justifiées par la garantie de la sécurité de l'approvisionnement énergétique, ainsi de suite. Est-ce que c'est une manière de dire non à la taxe carbone sur le gaz? Pour moi, oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Européens s'en rendent compte. Il se trouve qu'elle va être mise en œuvre qu'à partir de 2026, mais que depuis cette année, toutes les importations vers l'Europe doivent déclarer l'impact de l'empreinte carbone de l'économie. Ben, il se trouve que la Chine n'a pas fourni de ces informations. Ou plutôt, pour ne pas fournir ces informations, on réduit leurs importations vers l'Europe des produits à grande consommation d'énergie comme l'aluminium et l'acier de plus de 30% en 2023. Monsieur Guendouzi, oui. Est-ce que le forum dit non à la taxe carbone à travers cet engagement, en tout cas l'expression de ces orientations à travers les phrases que j'ai reprises? Notre désapprobation de la mise en œuvre unilatérale d'actions et de mesures fiscales sans précédent qui sont supposément justifiées, fin de citation, c'est non à la taxe carbone. Je pense que oui, puisque le GECF fait appel à l'idée de justice et l'idée de prix équitable. Et je pense indirectement c'est la taxe carbone qui est ciblée, et parce que quoi qu'on dise, beaucoup de pays consommateurs qui sont contre globalement les énergies fossiles pointent du doigt les pays producteurs ces énergies fossiles, alors que pour le gaz naturel c'est tout autre chose dont il s'agit. Et justement les pays producteurs, notamment ceux du GECF, contribuent à stabiliser l'approvisionnement énergétique de la plupart des pays, appellent au dialogue, à la concertation, à la coopération avec les pays consommateurs. Et je pense derrière ça, effectivement, la taxe carbone, c'est une façon de décourager, c'est une façon de porter préjudice à des pays producteurs d'une ressource énergétique essentielle et qui ne répondent pas aux règles générales du commerce international parce que elle n'a pas un soubassement juridique global où tous les pays ont participé à son élaboration. Je pense que cette dimension de la taxe carbone pénalise les pays exportateurs et par conséquent peut porter préjudice à la cohésion entre les pays qui produisent, qui exportent et ceux qui consomment. Maintenant, avec la question qui devient fondamentale de la sécurité énergétique, on se rend compte effectivement que la taxe carbone et que tout ce qui est derrière la mise au pas des énergies fossiles, particulièrement le gaz, commence peut-être à réviser leur vision par rapport à cette question. Justement, oui, cette taxe carbone, je vous redonne la parole, M. Ibrahim Guendouzi, un petit détail, et ensuite M. Hamid Ouar. Cette taxe carbone actuellement, elle est payée ou devrait être payée par tous les États sans exception. Oui, alors la question, elle est, disons, à deux niveaux. Tout d'abord, c'est les pays pollueurs qui doivent payer. Donc, dans plusieurs COP 25, 26, 27, on avait dit que les pays qui polluent, les pays où il y a énormément de production de gaz à effet de serre, c'est eux qui doivent financer les pays qui ne polluent pas. Or, globalement, les pays producteurs de gaz, en grande majorité, se situent dans des pays
où il n'y a pas une très grande industrialisation. Donc, globalement, ils ne polluent pas comme ceux des pays avancés. Donc, cette question-là, et du financement d'ailleurs, se pose problème. Un deuxième aspect, c'est la question liée à la production du gaz elle-même. C'est lié à ce qu'on appelle le torchage. Mm-hmm. Donc, ils accusent les pays qui produisent du gaz de polluer à cause du torchage. Et donc, indirectement, ils disent, celui qui n'investit pas pour diminuer le torchage, on ne va pas acheter son gaz chez lui. Donc, indirectement, c'est une menace. Oui. Par conséquent, je pense que depuis les événements géopolitiques qui se passent en Europe et au Moyen-Orient, beaucoup d'acteurs sur cette question de la taxe carbone commencent à revoir leur position et que, dans tous les cas, le gaz naturel sera présent pour accompagner la transition énergétique. Monsieur Ouar, alors, moi, je vais essayer de construire un peu sur cette histoire de torchage. OK? Parce que c'est un produit, c'est un sujet sur lequel l'Algérie a travaillé il y a 40 ans. Les gens oublient que le projet valide, valorisation des hydrocarbures, était autre que justement la gestion des gaz de torchage dans un objectif de récupérer ces gaz et de les valoriser. Mmh. Parce que le torchage, c'était pour nous, c'est une opportunité d'optimiser nos capacités de production. Okay? Donc, les torchages, c'est du gaz qu'on brûle. Oui. C'est du gaz qu'on perd. Okay? Donc, on a tout intérêt, effectivement, en dehors de toute imposition, et on y travaille depuis longtemps. Peut-être qu'on n'a pas, on a raté une opportunité de faire le plus tôt. Il y a un engagement depuis au moins 5 ou 6 ans de réduire le torchage à une moyenne de 6% par an. Il y a des technologies qui ont été faites. Ce qu'on voulait faire au niveau pour le valide a été fait par Aramco en Arabie Saoudite. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit pragmatique. Il faut qu'on soit pragmatique et voir justement quelles sont les mesures qui vont dans le climat sur lequel, je pense que c'est l'un des autres points qui est très important que le GCF a donné, et c'est que les pays producteurs de gaz sont pour une optimisation des transitions énergétiques. Absolument. Qui fasse que justement... C'est une question qui est prévue. Okay. Soyons patients, restons dans la taxe. Parce que quand on dit taxe carbone, c'est-à-dire vous payez une taxe, mais vous continuez à produire tel que vous le faites. Pardon, hein. Est-ce que la taxe carbone, c'est vous payez une taxe parce que vous... Oui. Ça ne règle pas le problème du torchage. Non, mais ce qui est grave, hein, le torchage n'est pas touché par la taxe carbone parce qu'on brûle, c'est du méthane qu'on émet. Okay, donc, justement, ils ont essayé de... Il y a eu toute une campagne il y a 2 ans contre des pays comme l'Algérie en essayant de voir l'empreinte méthane par rapport au CO2. Donc, il n'est pas touché, le torchage n'est pas touché par la taxe carbone. Okay, la taxe carbone, c'est la production de CO2. Par contre, ce qui est touché par la taxe carbone... Oui, dans le gaz. C'est tous les dérivés qu'on exporte qui sont utilisés à partir du gaz. Les industries de transformation. Bien sûr, donc on parle de l'acier, parle du ciment, on parle du verre, on parle de la céramique. Tout ça, c'est des taxes. Donc ce sont les industries qui payent. Bien sûr. Les investisseurs qui payent la taxe sur leurs produits. Oui, les investisseurs... Produits finis. Exactement, qui peuvent être des États, qui peuvent être, par exemple, en Algérie, si on va prendre le ciment, on a aussi bien 50% des exportations, c'est JICA, 50% d'exportations, c'est Lafarge. Dans le cas des aciers, on a des exportations par des privés ou des joint ventures, donc Tosiali, Bellara, Sider. Sur les verres, c'est Vital. Donc, il va falloir, c'est pour ça qu'il y a l'efficacité énergétique devient très importante aussi, c'est justement, et il faut mesurer l'empreinte carbone de chacune de nos industries, parce que c'est ce qui va se passer, et c'est ce qu'on demande, quelle est la tonne de produit de CO2 liée à ce process de production. Voilà ce qu'on paye, parce que la taxe carbone, elle paye.
C'est-à-dire, même quand je produis une voiture, si je vais exporter une voiture, si je vais exporter un téléviseur, on doit avoir l'empreinte carbone qui est liée à ça. Donc, c'est beaucoup plus large que l'exportation de gaz ou de pétrole. Absolument. Ce sont toutes les industries qui exportent, en fait. Bien sûr. Et est-ce que la taxe est appliquée de la même manière sur toutes les industries et les produits exportés à partir du gaz utilisé ou pas? En fonction, la taxe est la même, c'est le contenu CO2 dans le produit exporté. Donc si par exemple j'exporte une tonne d'acier et dans chaque tonne d'acier c'est 150 kg de CO2, je paye pour 150 grammes de CO2. Si je j'exporte un téléviseur et c'est 10 grammes, je vais payer pour 10 grammes. Mais c'est le contenu CO2 lié, c'est les émissions de CO2 liées au processus de production d'un bien que l'on exporte. Maintenant, on passe à la question du prix, par exemple, du prix du gaz. Ce qui est mentionné dans la déclaration d'Alger, c'est lié à... j'essaye de trouver exactement les mots à propos des prix. C'est une réclamation, une position commune sur l'indexation du prix du gaz, sur le pétrole, sur les produits pétroliers. Alors que le gaz aujourd'hui est au centre de différents marchés et différents prix. C'est-à-dire il est déterminé par des relations bilatérales ou multilatérales. Quelle configuration le forum veut avoir autour du prix du gaz? Qui va déterminer le marché? Qu'est-ce qui est réclamé à travers cette disposition? Alors, ce qui est écrit, c'est notre rejet de toute intervention artificielle sur les marchés du gaz, y compris les tentatives de modifier les fonctions de découverte des prix et de gestion des risques des marchés, ainsi que l'imposition de plafonds de prix politiquement motivés. Explication. Alors, par rapport au prix, c'est une préoccupation importante qui apparaît lors du forum, le 7e sommet du forum, parce que le marché gazier évolue rapidement depuis un certain nombre d'années, quelques années, et on assiste à deux types de marchés, les contrats par rapport aux exportations qui sont faites sous forme de gazoduc. Mais il y a des hubs qui apparaissent, donc des plateformes commerciales qui apparaissent, qui, au début c'était aux États-Unis, maintenant c'est en Europe. Et ces hubs-là, adoptent une démarche, de trading, achat-vente de quantité de gaz. Des fois, c'est des contrats de court terme, c'est des prix libres. Le prix spot, et je pense que le marché gazier est rejoint par les pratiques de la finance internationale, ce qu'on appelle les produits dérivés. On dit aussi la financiarisation du gaz, comme l'a été le pétrole il y a quelques années, d'autres matières premières. Et je pense cette dichotomie entre le prix libre, le prix spot et les prix élaborés dans le cadre de contrats bilatéraux avec gazoduc pose problème maintenant, parce que les pays du GECF parlent en termes de prix équitable, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait retour sur l'investissement. Parce que les prix qui sont à 70% en Europe et à peut-être plus aux États-Unis sont devenus des prix libres, c'est la volatilité de ces prix. Selon les conjonctures, selon l'importance des contrats, selon le climat, selon l'offre et la demande, les prix peuvent à tout moment... Alors, qu'est-ce que demande le GECF? Quelle est la formule? Le GECF demande des contrats de long terme. Et derrière les contrats de long terme, c'est la stabilisation des prix. Il faut que les prix soient stables. Ils ne peuvent être stables que par rapport à des contrats de long terme, parce que cela engage aussi bien le pays consommateur que le pays exportateur. Parce que le trading, les hubs qui négocient, c'est des acteurs qui ont des fois un lien avec
avec le gaz, mais il y a des fois, on a constaté l'intervention d'autres acteurs, des intermédiaires, les producteurs d'électricité. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans les hubs, notamment en Europe, et que ces hubs sont détachés des réalités économiques, énergétiques, puisqu'il suffit de dégager des marges bénéficiaires. Oui. C'est tout ce qui les intéresse. Donc, cette question est de fond. Et je pense que les pays du GSF doivent la suivre avec attention parce que les hubs commencent à prendre beaucoup d'ampleur en Europe. Oui, merci. Monsieur Ouahar, Hamid, intervention artificielle. Un rejet total, en fait. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. On revient toujours à un élément de base du GSF, c'est la perte de justice et d'équilibre des charges entre les producteurs et les consommateurs pour assurer une stabilité sur le long terme. Aujourd'hui, on peut avoir un discours, et je reviens à l'exemple de l'OPEP+, qui a assuré aussi des pays pétroliers, comme la Norvège, comme la Russie, qui n'étaient pas membres de l'OPEP. Dans l'industrie, dans l'étude du gaz, je pense que des pays comme la Norvège, des pays comme la Grande-Bretagne, ont des intérêts qui ne sont pas très divergents de ceux de l'Algérie, d'autres pays producteurs de gaz. L'artificiel de hub, le hub le plus artificiel pour moi, c'est le TTF, parce que le Henry's Hub aux États-Unis et le GKTM en Asie sont beaucoup plus liés à la réalité du terrain que le TTF. Le TTF est un marché qui était basé sur le marché initialement uniquement hollandais. Comment ça fonctionne de manière basique et simple que l'on comprenne? Le basique est pratiquement... C'est le marché de gros un peu. Mais même pas, c'est un marché qui est géré, il y a 120 traders, dont la majorité sont effectivement ou des sociétés productrices de gaz, mais aussi surtout des sociétés consommatrices de gaz comme la société d'électricité. C'est pour leurs appoints. C'est pour les appoints quand il y a une baisse de tension, quand il y a un manque, beaucoup plus que pour leur fourniture régulière. Donc, que l'on base le prix spot du gaz en Europe sur un marché TTF qui, par lequel ne passe que 5% au maximum des volumes de gaz changés sur ce continent, que ce soit une référence, il y a de la spéculation et basta. Aujourd'hui aussi, il y a une manipulation. Pourquoi je disais que c'est très important d'avoir géré à Alger, c'est qu'aujourd'hui, si vous voyez tous les rapports qui ont été publiés depuis... Oui, il y a de la manipulation de l'information autour de la demande des prix. Bien sûr. Depuis 2020, on dit, voilà, les prix ont triplé à TTF. Oui. Moi, je suis intervenu sur un truc avec l'Agence internationale de l'énergie, où je leur ai montré, je dis pourquoi vous ne mettez pas en valeur ce qui s'est passé depuis 2000. Parce que vous allez voir que le prix du gaz que vous avez aujourd'hui, il est au même prix qu'il y a 20 ans. Alors qu'à un moment donné, on est passé à un prix très 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 bas. Il n'est pas normal que, par exemple, un prix à Amsterdam soit 25 fois plus élevé que le prix de départ des États-Unis. OK, le RSAP, il est encore aujourd'hui, il est à 2 dollars le million de BTU. Donc je pense que ce qui est important, il est très difficile, donc effectivement, il faut probablement utiliser les deux aspects, avoir le TKP sur au moins 80% de ma production, jouer sur 20% sur le marché spot, mais faire en sorte que ce marché spot soit plus professionnel, disons, et moins spéculateur. Oui. Donc il est difficile d'imposer d'une façon ou une autre. Okay. Par contre, c'est l'équilibre qu'il faut chercher. Permettez-moi aussi de dire sur les investissements que aujourd'hui tout le monde est en train de pousser pour le GNL. Okay. Alors qu'il y a des pays qui investissent sur le GNL qui n'ont pas pu utiliser leur capacité. Si vous allez voir les capacités installées de l'Algérie, ils sont de 56 millions de mètres cubes an. On a les trois dernières années, c'est-à-dire 2021-2022, on n'a pas exporté plus de 22,6 millions de mètres cubes.
On a plus fait d'investissements pour la réhabilitation de nos capacités de production, mm-hmm. car il n'y avait pas de demande sur ces produits. Aujourd'hui, qu'il y a une demande, on n'est pas en mesure de la fournir parce que nos capacités sont trop vieilles. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Brahim Gendouzi, sur ce que dit Monsieur Hamid, et on termine sur une question. Il nous reste quelques dernières minutes. Votre réaction déjà sur ce que dit en matière d'offre. Oui, en matière d'offres, parce que le marché du GNL a énormément évolué. Il y a quelques années, 20% des exportations de gaz. Maintenant, c'est proche de 40%. Ça va évoluer aussi. Pourquoi le GNL? Parce qu'il donne la flexibilité dans les approvisionnements, il donne une possibilité de stockage. Et puis, la conjoncture mondiale fait que le GNL est le bienvenu. Il y a certains pays qui arrivent à répondre à 100% à la demande internationale. Le cas des États-Unis, qui devient le premier fournisseur de l'Europe en GNL, le cas du Qatar. Et donc, les capacités algériennes installées en GNL, il y a quelques années, n'étaient pas exploitées de façon optimale. Maintenant qu'il y a une demande qui se manifeste, son intérêt, je pense, va investir. Peut-être elle va, dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, va inaugurer une autre usine de GNL, de liquéfaction du gaz. Oui. Je pense que c'est un marché qu'il faut prendre en considération parce qu'il a de l'avenir devant lui. Oui. Quand on dit le gaz à long terme, ce sera aussi le GNL à long terme. Une dernière question à vous, messieurs, avant pour clore cette émission. Alors, il y a des engagements qui sont pris entre les pays. Il y a, je dirais, des réclamations ou des revendications ou des positions communes. Comment le GECF peut contribuer à l'inclusion du gaz naturel en tant que ressource naturelle, bien sûr, environnementale, durable, dans les réglementations climatiques d'investissement et fiscales? C'est ce qui est dit d'ailleurs dans un des points de la déclaration d'Alger. C'est faire contribuer le gaz dans les réglementations à la fois climatiques, les réglementations liées à l'investissement. Quel est le poids du GECF, et au-delà de ses intentions, quelle est sa force d'intervention? Monsieur Hamid Ouahar et ensuite Monsieur Brahim Gendouzi sur cette dernière question. Si je peux me permettre, bien sûr. Je pense que le GECF a une dimension en termes de population, en termes de besoins en développement, qu'elle pourrait se permettre de ne vendre son gaz qu'à elle-même. Okay. Aujourd'hui, une des provocations que l'on pourrait faire, est-ce que vous n'avez pas besoin de votre gaz, on ne vous vend plus, on l'utilise, on va vous vendre du polypropylène, on va vous vendre de l'acier, on va vous vendre du ciment, mais on ne va plus prendre de gaz. Et vous verrez ce qu'ils vont faire de l'autre côté. C'est simple que ça passe. Parce qu'il y a une dimension de marché qu'à un moment donné, s'il y a des rapports de force, il faut aussi voir les éléments qu'il y a en votre faveur. Si vous prenez rien que les pays africains, si vous prenez l'Égypte, Nigeria, Algérie, Mozambique, vous êtes à 400 millions d'habitants. Vous prenez l'Asie avec l'Iran et la Russie, etc. Vous avez encore un autre 300 millions d'habitants. Vous êtes ici à plus de pays qui ont plus d'un milliard d'habitants, qui sont tous des pays en voie de développement. Ok. Et pourraient se contenter d'utiliser leur gaz comme moteur de développement économique. Monsieur Brahim Gendouzi, comment est-ce que le GECF peut peser? Quelle est sa marge de manœuvre au-delà de ce qui est souhaité? Je pense que la marge de manœuvre réside dans le fait de faire du gaz naturel une ressource qui accompagne la transition énergétique, même si le gaz naturel peut s'inscrire dans une logique de décarbonation d'activités industrielles, mais il contribue à la sécurité énergétique, il contribue aux utilisations diverses du gaz naturel aussi. Est-ce que le GECF a des moyens de pression? C'était ça ma question.
Je pense que les moyens de pression, c'est l'approvisionnement en gaz des pays consommateurs. Les pays, notamment européens, auront besoin du gaz sur le moyen long terme. Les États-Unis, de par les réserves qu'ils disposent, auront tôt ou tard besoin du gaz de façon consistante. Et que les pays asiatiques ont tous besoin du gaz. Nous ne sommes pas encore au niveau des énergies renouvelables qui remplacent toutes les énergies fossiles. Je pense que le gaz est au centre des préoccupations au niveau mondial, même si des manœuvres sont faites ici et là pour en diminuer l'importance. Mais dans tous les cas, le GECF doit jouer un rôle de veille par rapport à l'évolution technologique, par rapport à l'évolution des marchés. Et je pense que l'implantation du GRI en Algérie est importante pour cette action de veille. Dernier détail, c'est le dernier mot qu'on aura à dire, c'est lorsque dans la déclaration, le GECF rejette toute tentative de sanctions contre les membres du GECF. C'est-à-dire qu'il y a éventuellement des tentatives de représailles, vous pensez, à l'égard de tous ces engagements? Alors moi, je pense que déjà, il faut souligner en termes de justice le fait que toutes les sanctions sont, d'un point de vue du droit international, illégales. Elles sont illégales, d'un point de vue du droit international. Ok, mais ça, c'est un élément de fond. Merci. Et je pense que la solidarité entre ces pays est importante. Parce que si aujourd'hui ça arrive à la Russie, ça peut arriver demain à l'Algérie, ça peut arriver demain à notre pays. Si aujourd'hui on a bloqué 330 milliards de dollars de fonds russes, on pourrait les bloquer demain à quiconque. Merci pour cette réponse très directe. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Gendouzi, Monsieur Ouar Hamid, consultant. Hamid, c'est ça que j'ai dit. Ouar Hamid, consultant international en stratégie de développement. Merci infiniment, mesdames, messieurs, merci. Aïcha Hammer et toute la régie technique, à bientôt.